sais que c'est un autre magnifique jour de quarantaine quand tu swipes ton pyjama pour genre une paire de sweatpants pis genre un vieux t-shirt là. Outfit of the day! Ok, donc ce matin, j'ai essayé de clear 2-3 petits trucs à faire. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire cette fin de semaine parce que j'ai commencé l'école, puis en même temps, je vais faire du montage. Puis en même temps, j'ai écrit un article pour le journal de mon école. Donc il faut vraiment que j'avance. J'ai full de personnes à interviewer. Fait que c'est ça que je vais faire en ce moment, texter toutes ces personnes-là, essayer de trouver des données. Puis un peu faire comme un gros ramassis de toutes les données que j'ai pour pouvoir vraiment bien construire mon article. Ça va être une journée de travail de bureau probablement. Mais c'est ça, c'est get ready de commencer l'école pour de vrai. Allô? Je prends une marche avec mon frère et mon père. Ils sont de cimetière voir des membres de la famille. Au cimetière à côté des neiges qui est juste pas trop loin de chez nous. Ben ouais, mais là le monde, on s'en va où t'habites. Ouais, mais c'est grand là, le cimetière. Il neige comme les crises. Puis, on croit, mais c'est une belle journée quand même. C'est close. Donc on peut tuer un de vous deux, puis avoir une trouvation. Non, pas moi! Je pense que ça serait moins mieux, là. Ouais. Tout à l'heure, il y avait des gens qui faisaient du snow comme ça ici. C'était fucking nice. Puis je me souviens quand on était jeunes, on montait ici, on avait pu se parler, puis on allait chiller, genre avec un petit chilling spot, puis on avait un autre là-bas. En tout cas, ça bring back les memories. Et encore les gars ici. Le zoom est fucking insane sur cette caméra. Donc, je suis de retour dans mes sweats. Et je suis super contente, c'est une super belle manche, j'étais full agréable. Si vous avez l'occasion d'aller sur le Mont-Royal pendant l'hiver, c'est un super bel endroit. Et là maintenant, back at it avec les devoirs et les recherches. Que où tu t'étais dit à un moment donné que ma vie était glamorous, je suis en train de manger un bol de soupe dans mon lit en train de faire du montage. Il est genre 11h30. Puis j'ai juste envie de disparaître. Oh! Je vais me coucher bientôt. Ok. Bonne nuit. Plus tard. C'est vraiment pas tant une journée pertinente, honnêtement. J'ai mangé des crêpes. Je suis restée dans mes sweats toute la journée. Puis j'ai fait du fucking de montage. J'ai édité deux vidéos. Il m'en reste plus que genre trois autres à faire, incluant celle-là. Puis là, j'ai plus le temps. Faut vraiment que je me concentre sur mon article pour le journal étudiant.
Ben, c'est tellement out of nowhere, j'ai fait juste t'appeler pis comme allô, genre legit comme déclaration un peu. Non. Ok, donc je me suis motivée à aller faire un workout. Je fais le Alexis Yuen Challenge. Puis pas Alexis Yuen, c'est ma mère, Chloé Ting. C'est le Chloé Ting Challenge. Puis il est genre 10h. Puis je me suis quand même motivée à aller faire un workout. Donc, je suis en pédale, mais c'est abs day. Puis ben, j'en ai vraiment besoin parce que j'ai mangé beaucoup d'artichauts à la mayonnaise, à la véganaise ce midi, ce souper. Donc, workout time! Je suis tellement pédale. J'ai fait mon workout. C'était chiant et pas nice, mais au moins je l'ai fait. Là, j'ai juste chillé dans mon lit puis j'allais m'en vais dormir parce que je suis fatiguée puis c'est ça. Peace! Allô, bon matin, on est lundi et aujourd'hui j'ai un cours à 1h, sinon je veux vraiment terminer mon article. Là vous êtes en train de dire « Chris, reviens-en ton article, Victoria, ça fait 3 jours que je travaille dessus ». Oui, ça va être le 4e aujourd'hui, mais j'ai pas le choix, je veux vraiment que ce soit, genre, je suis perfectionniste, je sais pas. Puis, mon dieu, on en parle pas là, mais c'est un workout, tenez, si vous voulez, caméra là. Sinon, je sais pas, ah oui, comme on est lundi aussi, c'est ma journée de faire le souper, donc j'essaie de voir qu'est-ce que je vais faire pour toute la famille, essayer de voir qu'est-ce qui leur plairait et tout. Je sais pas, je pense que je vais faire des pâtes, là. Mais je suis pas sûre, en tout cas, vous verrez ça, puis c'est ça. Fait que là, programme de la journée, c'est article, cours, souper, mais avant ça, j'allais déjeuner. A travel man. Who has his head in the sand? Every ceiling either him. Ok, Siri, comment s'est passé ton premier jour d'école en méthode quantitative? Ça s'est bien passé, mes profs sont gentils. Sauf que c'est tout en ligne, fait que c'est un peu chiant, mais. Bon, ça va bien se passer, là. J'ai des amis dans tous mes cours à date. Yes! Je suis contente que j'ai quelqu'un à se mettre pour les travaux d'équipe. Oh! Puis, ouais, je suis bon. Je me suis fait la manucure pendant mon cours. Oh, c'est quand même beau, toi, dans ton monde. Parce qu'il faisait juste parler du plan de cours, puis ben, on l'a déjà lu genre mille et une fois. C'est fait la manicure! Oh, oh, oh. Ok, donc je m'en vais à l'épicerie, comme, parce que comme j'avais mentionné plus tôt, c'est aujourd'hui ma journée de faire le souper. Donc c'est ça, je m'en vais à l'épicerie. Puis je m'en vais chercher les affaires pour faire des pâtes. Puis après ça, je revenais à Chéron. Pendant j'avais envie de faire mes affaires d'école. Mais j'ai pas le choix. Donc, on va faire ça le plus vite possible. Ok, donc j'ai acheté du brocoli, du chou-fleur, bouillon de champignons. J'ai acheté une carte de cœur de palmier parce que moi je suis obsédée avec les cœurs de palmier. Je trouve que c'est tellement bon. Je mange ça genre comme collation. C'est fucking bon. La crème de cuisson, la crème de soya, à base de soya, des saucisses vegan, pis des pâtes. C'est l'heure du souper. Comme j'ai dit, j'allais faire des pâtes Alfredo vegan pour toute ma famille. Je vais un peu vous montrer la recette que je vais faire, mais je vais la mettre dans le lien dans la barre d'infos. Puis c'est ça, donc je vais juste faire ça tranquillement. Je commence par un gros chou-fleur comme ça que j'ai lavé et je vais le couper en petits morceaux. Ok, donc une fois que j'ai mis mes brocolis, j'en ai quand même mis vraiment beaucoup. J'ai comme échoué la recette. Fait que là, ça dit 1,5 tasse pour une petite tête. Moi, je pense que j'ai mis la moitié d'une grosse tête. J'ai pas mis le chou-fleur au complet. Je sais pas quoi.
Puis là, j'ai rajouté 2 tasses de bouillon de champignons. Moi, j'ai pris du bouillon de champignons, c'est vraiment bon. Puis j'ai rajouté 1 autre tasse. Donc, 3 tasses au total. Et là, on doit partir le feu et le laisser mijoter pour à peu près 12 minutes. Ok, donc pendant que ça mijote, j'ai coupé le brocoli parce que ma soeur a dit qu'elle aimerait ça avoir brocoli dans ses pâtes Alfredo. Puis j'ai trouvé une full bonne idée. Aussi, il faut laisser mijoter à peu près. Dans la recette, ça dit 12 minutes. Moi, personnellement, j'ai trouvé que 12 minutes n'était pas assez la dernière fois. Fait que j'ai laissé à peu près comme 15 minutes, juste pour donner le temps que ça mijote bien. C'est juste aussi la dernière fois, j'avais laissé brûler. Fait que j'ai fait attention. Maintenant, c'est parce que j'étais concentrée. Là, je racontais un petit potin à ma soeur. Avant, j'avais tendance à me sentir genre, hyper coupable à chaque fois que je patinais. Puis maintenant, quand j'ai lu Sapiens, ça disait que patiner, c'est vraiment comme important dans la notion de sociabilité de notre espèce. Là, maintenant, chaque fois que je sociabilise, je suis comme « Ouais, mais c'est ce que j'entretiens la culture sociale de l'homo sapiens. » Anyway, tu sais, c'est jamais un truc de le genre de pensée qu'on commence à avoir après avoir lu Sapiens. C'est ça. Donc, on laisse mijoter. J'ai coupé le brocoli parce que ça va être un bon légume à avoir dans les pâtes à cadeaux. Et j'ai aussi l'idée de mettre des saucisses Gouda. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé, mais les Montréalais, c'est vraiment mes saucisses préférées. C'est des saucisses vegan super fun. Puis non, je les conseille vraiment, même si vous êtes pas nécessairement végé ou vegan, c'est une genre super bonne, c'est super bon. Puis que toutes les gens que j'ai fait goûter ont vraiment aimé ça. Donc définitivement, un gros coup de cœur. Puis j'ai coupé ça dans les sauces Alfredo, ça va être bon. Les pâtes Alfredo. J'ai juste fait faire comme ça des brocolis avec un peu de beurre vegan dans son empoil. J'ai ajouté des saucisses après parce qu'elles cuisent rapidement. Donc j'ai juste laissé un peu griller comme ça. Je vais mettre un petit couvercle comme pour qu'ils puissent bien steamer. Là, je pense que c'est bientôt prêt mes choux-fleurs. Ok, donc j'ai essayé de malaxer les choux-fleurs. J'ai mis ça, ok, puis il y a comme un trou ici. Là, tout est... Je suis sortie puis j'ai eu un gros dégât. Et je sais vraiment pas comment le malaxeur marche, mais bref, le but là, c'est de mettre son bouillon puis ses choux-fleurs dans un malaxeur puis de les rendre en purée. Mais ouais. Donc là, j'ai appelé ma mère à la rescousse pour m'aider avec le robot culinaire. Je vous explique un peu. Je vous explique un peu ce qu'on a fait. Dans le fond, c'était trop liquide, fait qu'on a ajouté de la chapelure pour, à l'intérieur pour rendre ça plus épais. Ensuite, un ingrédient qui n'est pas dans la recette, mais que j'ai ajouté, puis c'est vraiment important parce que ça rend la texture de la sauce vraiment plus crémeuse, comme une sauce Alfredo, c'est de la crème de soja. J'ai aussi mis du jus de citron, de la levure alimentaire, qui est comme l'ingrédient secret de toutes les vegans. Et puis, j'ai racheté la poudre d'oignon. Je mets 2 gousses d'ail au lieu de mettre la poudre d'ail. Et c'est ça, là, j'ai mes pâtes. Et ça, c'est mon plat de saucisse et brocoli. J'ai rajouté ma sauce. Une fois que mes pâtes sont prêtes. Je vais vous montrer la texture qu'on recherche vraiment avec la sauce. C'est hyper. C'est hyper crémeux comme ça. C'est super bon. Ça ici, c'est parce que ça m'avait mis trop long, j'en ai enlevé. Puis je vais rajouter après avec les gouttes. Puis je vais juste tout rajouter dans le bol ici. Salut! Ok, on est un peu plus tard. J'ai continué mon article pour pas mal toute la soirée après ça. Je suis pas tant avec d'avoir fini, puis ça m'attriste un peu parce que c'est à remettre demain. Fait que je suis un peu stressée, mais bon. De toute façon, c'est comme là, je suis plus dans, je peux plus rien faire, là, je suis plus concentrée. Fait que j'écoute les chroniques des Bridgerton sur Netflix, classique. Puis j'ai écouté ça avant de me coucher tranquillement. 1, 2, 1, 2, 3! Now, baby, you're casting your spell on me. Us, this
is the era of just redemption. We feared it at its inception. We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour. But within it, we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves. So, while once we asked. On est un peu plus tard, j'ai pris ma douche, j'ai dîné, puis là je m'apprête à faire mes devoirs et tout, de vraiment commencer un peu qu'est-ce que j'ai à faire, faut que je révise mon article. Je sais que vous êtes genre mitaire, on n'en peut plus t'entendre parler de ton article, t'as fait ça toute la semaine. Oui, moi aussi, imaginez-moi comment je suis tannée. Mais c'est ça, là, faut que je révise, mais je suis quand même fière, genre vraiment. Je trouve que c'est pas super, puis on arrive à la fin, puis je suis quand même contente du résultat. Puis j'ai quand même enjoy, là, j'aimerais ça commencer à faire ça. C'est sûr que c'est plus difficile pour moi parce que la première fois que j'en fais ça comme ça. Fait. Anyways, c'est ça. Là, j'ai fini mon article. Je vais faire des cours, des capsules vidéo, puis des lectures que j'ai pas encore fait pour mes cours que je vais faire. Puis si c'est juste vraiment faire du travail de bureau, là, la session a commencé, donc vraiment kick in un peu avec. Ce qui me reste à faire. C'est mon petit outfit de la journée. Vous avez déjà, waouh, Victoria, tu portes autre chose que des sweatpants. Mais non, je me suis habillée pour de vrai. Vous êtes fiers de moi, hein? Moi, je suis fière de moi. Mes parents sont antiquaires. Et il y a ce magnifique meuble qui traîne dans notre salon en ce moment que mon père doit vendre. Là. Mais je le trouvais juste trop beau. Il y a comme un angle ici. Mais ça s'ouvre. Vous avez genre une petite bibliothèque à l'intérieur avec les détails du miroir, puis ça ici comme ça, ça s'ouvre, ça devient un bureau comme ça, avec les super beaux tiroirs en bas, les poignées ont des super beaux détails, on peut pas voir full bien, là. Mais en tout cas, je trouvais juste vraiment beau, puis je me disais, avec une belle plante ici, comme ça qui tombe, puis genre plein de beaux affaires, ça peut être tellement beau dans un appart, là. Oh mon dieu, mais ouais, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Hello, donc on est un peu plus tard, j'ai passé vraiment comme tout mon temps étudié, honnêtement, là, j'ai fait des devoirs. J'ai appelé mon amie qui est en Colombie-Britannique en ce moment en train de travailler, donc ça m'a vraiment fait du bien de lui parler. Puis c'est plus ce soir, on s'en va souper, donc ouais, une petite journée relax à faire des devoirs puis à se préparer pour les cours. Je vais montrer qu'il y a son manche, on mange des patates avec des haricots et des aubergines panées. C'est full bon, c'est un peu comme des vinaigres schnitzel, mais c'est version comme VG avec des aubergines à la place. Salut, ok, on est le lendemain matin, j'ai oublié de faire une outro hier. Mais bref, c'est ça, je viens de finir un cours, c'est super intéressant, c'est sur Hannah Arendt, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Donc c'est ça, puis sinon j'ai continué dans cette semaine, j'espère que ça vous a quand même plu, là, mon début d'école, etc. C'était peut-être un peu décousu, puis je me suis pas sentie super productive, mais ouais, c'est pas mal, c'est un peu mon journal de pandémie, c'est comme ça que je commence ma session scolaire en ligne, encore une fois. Puis j'espère que c'était pas trop ennuyant, puis que vous avez aimé passer du temps avec moi. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de succès dans vos études pour cette session. Puis on va se revoir bientôt, j'espère. Bye!